Hello à tous! Et bon lundi, belle semaine! J'espère que la semaine écoulée s'est bien déroulée pour chacun, chacune d'entre vous. Si vous souhaitez partager un retour ou quelque chose en lien avec les messages de lundi passé, c'est la bienvenue. Du coup, j'avais commencé une vidéo, elle a duré 40 minutes. Parce que je me suis laissée porter, tellement laissée porter que du coup j'ai dévié sur quelque chose que j'ai vécu la semaine passée. Et du coup je trouvais que ça sortait un peu du cadre, entre guillemets, que je me suis fixée sur cette page. Et où pourtant je donnais mon point de vue. Mais je trouvais que c'était un petit peu tendancieux à émisser ou à. Ça peut être interprété de tellement de façons que du coup j'ai préféré la retirer en fait. Enfin, pas la retirer, je la garderai pour moi perso et puis j'aurais exprimé quelque chose qui me tenait à cœur en vidéo, mais j'aurais pas partagé. Bon. Du coup, mon constat aussi de cette fin de vidéo, c'est que quand je l'ai lu, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais en fait, ce que l'on enseigne le mieux, c'est ce qu'on sait le moins. Je crois que c'est ça. Ou alors, ce que l'on a à apprendre est ce que l'on enseigne le mieux. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si comment vous allez le comprendre, mais voilà. Dans le sens où. Finalement, les erreurs, entre guillemets, qu'on commet, les expériences, les façons de penser, de voir ou de formuler, finalement, sont vecteurs de beaucoup de sources d'inspiration et d'apprentissage. Quand, voilà, on se fie aux uns et aux autres. Donc, voilà. Introduction. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire pour l'énergie de lundi, l'énergie de cette semaine. Alors j'entends, il n'y a pas besoin de se sacrifier. Ça doit parler à, je pense, pas mal de personnes qui peut-être renoncent à certains choix ou certaines décisions. Ça me dit, il n'y a pas besoin de se sacrifier. Pour se complaire dans une situation qui ne nous correspond plus. Ok, merci les copains. Avec ça, est-ce qu'on peut avoir des explications? Alors, ça me dit oui, ne prenez pas tout content ce que l'on vous dit. Et l'essentiel est que vous traciez vous-même votre propre chemin. Pour moi ici, il est question d'essayer de se laisser influencer le moins possible dans certains cas. Parce que voilà, il y a des influences qui sont très bien, je pense, qui nous aident à avancer, à grandir. D'autres qui peuvent aussi nous ralentir. Mais voilà, les deux sont quand même sur la même ligne. Hein. Donc voilà, c'est juste un apprentissage et des choix que chacun décide de faire, en conscience ou non, en fait, ça dépend des gens, qui font l'expérience, en fait, la découverte des chemins différents. Excusez-moi. Alors, ça me dit aussi, il n'y a pas besoin de tout tolérer.
L'idée est de se respecter. Et là, ça m'amène à deux axes de se respecter dans ce qui nous est juste, nous, en tant qu'individus, et aussi, vraiment, ça me le souligne, hein, on me le dit bien, se respecter les uns les autres dans nos choix. Parce que chaque choix a un rôle à jouer sur ce grand plan qu'est la vie. Et on a souvent tendance, nous, en tant qu'humains, ouais, mais gna gna, lui, il a plus raison, l'autre, il a tort, balala. Moi, j'ai plus d'arguments, ouais, mais moi, j'ai plus d'expérience, ouais, mais ça, ouais, mais moi, je sais ça, moi, je sais ça, moi, je sais ça. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, énormément, encore plein de choses qu'on ignore, qu'on se le dise. Donc, restons quand même humbles et rappelons-nous que on n'a pas, on a rien d'acquis en fait. Il y a des choses que l'on a acquéries en fonction, ce que l'on pourrait dire acquéries, c'est les expériences de notre vie et un parcours et donc un apprentissage, mais ça ne veut pas forcément dire que d'une que c'est acquis et ou en tout cas on pourrait dire que c'est compris. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer ou apprendre d'autres choses. Hein. Alors c'est quoi ça? J'ai plein d'images qui arrivent, mais c'est pas clair. Et bien il y a la notion là de vent, d'air, quelque chose d'aéré. Il faut aérer, on y a quelque chose. Comme si on dépoussiérait. Voilà. Des choses, je vois quelqu'un qui vraiment qui secoue des draps. Moi, ça me parle vraiment de. Il faut faire de l'espace, il faut vous mettre de la clarté sur ce que vous vivez, en fait. Effectivement, c'est un sacré beau challenge qu'on nous fait là, parce qu'effectivement, tout ce qui se joue devant notre nez est là pour nous faire grandir et en même temps nous déstabiliser. Et oui, sinon, ça serait trop facile. Donc, ici, le message que j'entends, c'est ne vous laissez pas happer par vos propres failles et prenez-en soin en mettant de la conscience et de la clarté sur les moments où vous vous sentez faillir. Et donc, vous vous laissez un peu berner, vous vous laissez emmener, voilà. Après, c'est ok quand ça arrive aussi. Hein. On n'est pas là pour se juger. On avance tous, on est tous tous pareils. Hein. Je m'inclus moi aussi dans la lecture, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a vraiment comme la notion de devoir balayer, nettoyer des anciens schémas, des façons de faire. Des façons de penser qui nous plombent un petit peu, même beaucoup, je pense, pour certains, dans le fond du trou. Et en fait, on nous dit que c'est pas là où il faut aller, qu'il faut encore aller chercher. Et du coup, ça vous oblige à sortir d'une niche dans laquelle, des fois, on est bien. Voilà. J'entends, on n'a pas envie d'échouer, on n'a pas envie de trop se mouiller, on préfère laisser certaines choses à d'autres. Alors effectivement, il y a des choses qu'il faut laisser aux autres. Mais on me dit aussi que vous avez votre rôle à prendre soin en fait de vous. À travers les autres. Ça ne veut pas dire, donc du coup revenons à l'idée de sacrifice qu'on a eu au départ, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vous sacrifier, d'accord? Sacrifier pour moi c'est vraiment s'abandonner complètement, donc on abandonne notre désir personnel pour aller complètement s'abandonner, pour vraiment l'idée de se sacrifier pour quelqu'un. Ici, on me parle pas tout à fait de ça,
mais en même temps, on doit sacrifier quelque chose pour en arriver là. Pour grandir et s'élever, c'est comme si moi je vois une tête sortie d'un nuage comme ça, qui a pris de la hauteur, et au-dessus du nuage, on a un autre focus et une autre façon de penser à cet endroit-là. Donc c'est très symbolique ce qu'on me donne là, mais je pense que ça va parler à plein de gens. Moi, ça m'évoque vraiment la notion de prendre de la hauteur sur ce qui est vraiment là, sur ce qui se joue vraiment là maintenant. Et en fait, quel est le rôle que j'ai moi à jouer là-dedans? Est-ce que du coup, en étant spectateur, est-ce que c'est un rôle qui me convient? Est-ce que en étant acteur, c'est un rôle qui me convient? Est-ce que en étant neutre, c'est un rôle qui me convient? En étant spectateur, des fois, on est même plus à même d'observer et d'entendre et de mieux comprendre, on me dit. Parce que souvent, on a tendance à partir dans des espèces de conflits où on veut argumenter et en fait, on s'écoute pas assez. Donc en fait, on veut... Ou alors, on s'écoute simplement pour vite avoir quelque chose à répondre. Effectivement, en une discussion, il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Donc effectivement, on veut vite... pas interrompre, mais on a beaucoup de choses qu'on a envie de restaurer, entre guillemets, selon le fil de la discussion. Et en fait, on veut intervenir. Et ici, on nous dit, arrête de sacrifier de ton temps, de ton énergie à te consacrer, à chercher, à être compris, mais plutôt focus-toi sur ce que toi, t'es en train de comprendre sur toi-même et prends le temps, et c'est peut-être là l'idée du sacrifice, de mieux entendre et d'écouter les autres. C'est comme ça que toi, tu te comprendras mieux toi-même. On me dit qu'il sert à rien d'aller vite. Qu'on peut aller à l'essentiel, en fait, sans chercher à mouliner dans la semoule, quoi. J'ai un peu mal à la tête. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de se prendre le chou en ce moment. Il y a des choses qui les tracassent au niveau mental, de... Ouais, mais ça, je devrais plutôt faire comme ça. Ouais, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est un peu des peurs, en fait, liées à des projections futures que l'on souhaiterait ou auxquelles nous sommes attachés, qui créent parfois peut-être du coup, des tensions, des tracas, la peur de l'avenir. C'est ceux qui ont des enfants ou... Ou même là, pour revenir, même l'idée de fonder son... Que ce soit une entreprise, que ce soit un projet de vie. On me dit, prenez votre temps, il n'y a pas à courir. Parce que du coup, c'est comme si en prenant votre temps, vous prenez des décisions beaucoup plus matures, beaucoup plus justes en fait. Vous êtes moins dans la hâtive et du coup, bah, vous risquez moins de vous casser la gueule, entre guillemets, quoi. Alors, il y a la notion de prendre des risques et la notion de rester aussi lucide. Du coup. Je vais voir avec l'oracle de Béline ce qu'on a comme message avec les cartes. En complément. Ah bah voyez, on a l'inconstance qui ressort. Il y avait la notion du vent tout à l'heure. Effectivement, il y a des choses et on a la lune. Moi, c'est marrant, cette carte, elle me parle vraiment. Et le numéro 13, l'arcane sans nom dans le tarot. Hein. C'est important ça aussi.
Effectivement, quand je parlais de la clarté, quand j'ai vu un drap blanc tout à l'heure et quelqu'un qui étendait, qui faisait vraiment comme dépoussiérait pas, mais vraiment on met de la clarté en fait sur les choses qu'on matérialise. C'est ça que ça veut dire. Et le 13, avec la lune, moi, me parle vraiment des notions de peur, de mort aussi. Il y a des deuils, hein, il y a des choses importantes qui sont en train de se nettoyer, de se libérer, d'être comprise, compris pour chacun d'entre nous. Et du coup, vu que c'est un peu incertain, c'est pour ça que ça crée peut-être cette peur, du coup, cette inconstance dans nos choix. Peut-être que du coup, on a envie de ça, puis après on fait ouais, mais non, c'est peut-être pas la bonne idée. Parce que du coup, on se laisse peut-être influencé par des climats extérieurs à nous. Et pour ça, moi, je pense que l'arcane sans nom est là pour vous aider justement à digérer et à couper en fait les branches mortes. Celles qui ne vous servent plus, celles qui vous empêchent de vous élever, de grandir. De déployer la meilleure version de vous, quoi, en vous sentant bien là où vous êtes, aligné, en accord, heureux dans ce que vous faites, ce que vous transmettez, ce que vous vivez. Il y a des gens qui ont des difficultés peut-être à prendre des décisions. Ouais, effectivement, alors là, ça me parle de conflit, hein. Il y a quelque chose d'inconstant ici par rapport à un conflit intérieur. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'en dodec, on a quand même celle-ci. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression que cette semaine, il y en a qui vont passer par peut-être des discussions, des choses un peu houleuses, des positionnements qui vont peut-être se faire un peu dans l'affront, dans le conflit. Peut-être que du coup, ici, ça nous donne un bémol. Vigilance à vos peurs et ne vous laissez pas envahir ou emmener par vos instincts de peur qui du coup créent peut-être cette inconstance-là. Mais en même temps, vous avez besoin de vous sentir en sécurité intérieure. Donc en fait, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour cultiver ça? Est-ce que c'est par l'action de vos paroles? Est-ce que c'est en vous positionnant que pour vous c'est important? Parce qu'on a quand même une énergie très martiale, hein, donc c'est quand même. On n'a pas peur de dire les choses dans cette énergie-là, quoi. On dit ce qu'on pense et on n'a pas peur, en fait, de brandir l'épée, quoi. Après, voilà, la parole peut être aussi guérisseuse, mais elle peut être aussi très tranchante. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous pourriez risquer de regretter de dire si vous vous emportez trop. Donc, pensez à être. À l'écoute de votre intériorité, la lune, c'est vraiment les émotions. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes invité en fait à guérir. C'est tout, en fait. Enfin, c'est tout. Rien que ça, c'est un sacré programme, hein, effectivement. Mais en tout cas, c'est comme si finalement là, j'ai l'impression qu'il y a une discussion, il y a quelque chose comme ça. Donc, je sais pas si c'est un conflit intérieur ou si c'est avec des personnes. Avec lesquels vous partagez votre vie au quotidien, ou voilà. Même pas que, hein, ça peut être même juste une personne des fois. Hein. Ça suffit juste pour des fois une discussion avec deux avis divergents pour que, boum, ça fasse ressurgir une émotion et une peur. Et ici, l'invitation, c'est que peut-être les émotions sont là, mais c'est là pour vous aider à grandir. Et le 13 ici vient nous rappeler que vous êtes là pour libérer et faire de la place en fait. Et du coup, il y a peut-être une part de vous qui est un peu comme mise sur le tapis, que vous aimez peut-être pas trop voir, que vous autorisez peut-être pas. Moi, par exemple, je sais la colère, j'ai du mal. Enfin, je la garde en fait souvent et du coup, c'est pire parce que du coup, je la subis.
Parce que je veux pas m'emporter, je veux éviter ce genre de situation, mais du coup après moi c'est moi à l'intérieur de moi que ça fait ça. Parce que du coup c'est comme si je rejetais ou je reniais une part de moi. Après voyez ce que chacun pour vous ce que ça peut être. Il y a des émotions qui arrivent comme ça, on est composé de toutes les émotions, on a toute la palette hein, de toute façon. Voilà, il y a aussi les émotions de tristesse aussi, qui arrivent de façon des fois fulgurante, où on se sent touché d'un coup et on n'a pas envie de se montrer vulnérable. Hein. Ça aussi, ça peut parler à certains. Ben, aussi, pensez à accueillir, en fait. À accueillir tout ça. Parce que tout ça vous permet, en fait, de faire le chemin vers vous-même. Et ça vous permet de faire une guérison importante et de cesser d'être en lutte avec vous-même. D'être en conflit. Et moins vous êtes en lutte avec vous-même, plus vous récupérez ces morceaux de vous, entre guillemets, c'est très imagé ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Vous reprenez comme des pièces de puzzle qui vous appartiennent aussi, qui vous reconstituent en fait, tel que vous êtes, avec la force que vous avez réussi à en faire. De toutes ces blessures-là. Waouh! Alors ici, on a deux autres cartes. On a l'intelligence et la beauté. Donc ici, moi, ça me parle de la connaissance. L'intelligence, c'est... Pour moi, c'est vraiment dans ce grand livre qu'est la vie, où plein de gens seront à l'œuvre, que vous le vouliez ou non, d'ailleurs, pour les conflits intérieurs, notamment, pas que. Vous verrez que l'intelligence, pour moi l'intelligence divine, elle est parfaite, elle vous fait vivre, elle vous fait rencontrer des personnes qui seront parfaitement vecteurs de votre guérison. C'est aussi simple que ça, même si émotionnellement c'est moins évident. Mais c'est comme ça que je vois les choses et comme ça que j'interprète en tout cas cette lecture de cartes. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'on a donc la beauté avec tout ça. Donc en fait, c'est comme si, vous voyez, moi je voyais une fleur qui s'était solidifiée, enracinée, renforcée et du coup qui porte haut en couleur et bah, tout l'amour et la gratitude que l'intelligence de la vie lui a amené sur son chemin. Qui permet à l'être d'être tolérant, d'être compréhensif, d'être en compassion vis-à-vis des autres et de soi-même. Qui permet aussi de transmettre d'une certaine manière ce que l'on vous a transmis pour grandir. Donc du coup, il y a des personnes qui, avec cette intelligence et cette conscience-là, eux aussi seront à leur tour vecteurs de prise de conscience autour de personnes autour de eux. Et même malgré vous, il y en a pour qui c'est fait en conscience, mais pour moi là c'est l'intelligence, Mercure c'est le grand plan en fait, c'est ce qui vous traverse en fait, c'est les choses que vous manifestez en étant pleinement vous-même qui ont un impact aussi vis-à-vis des gens qui vous entourent. Mais pour moi, c'est magnifique, parce que du coup, j'ai l'impression que suite à des turbulences, un conflit intérieur, on a une intelligence et la beauté. Donc en fait, c'est comme si il y avait besoin de passer par ça pour arriver là. Ok ? Voilà ce qu'on me dit pour cette semaine. Magnifique. On a Saturne aussi qui est là avec la grâce. Super. Pour moi, il y a des messages qui arrivent pour vous. Des messages ou des messagers. Envoyez-le comme vous voulez. C'est pas que des personnes, les messages. C'est aussi des manifestations que vous percevez dans votre vie. Dans ce que vous voyez de plus beau. Dans votre vie. Et même les choses que vous pouvez voir de moins beau. Vous verrez que, en fait... C'est comme s'il y avait un équilibre de ces deux côtés-là, quoi, pour y voir la beauté.
y a un point de rassemblement de deux axes, en fait, qui finit par illuminer un ensemble de choses que vous voyez et vous aide à tout simplement... Enfin, tout simplement. Je sais pas si c'est le terme tout simplement, mais quand même. En gros, c'est ça. En fait, c'est simple en vérité. C'est le mental humain souvent qui met des freins. Ouais, mais je veux pas faire comme ça. Et en fait, des fois, faut accueillir en fait ce qui est là. Ah bah t'es. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit. Dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime, plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. C'est magnifique. C'est vraiment l'idée de retrouver cet espace en vous. Vous voyez, quand on parlait de l'inconstance de vos émotions, bah aussi de prendre vraiment ces moments de calme, de vide, de paix intérieure dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, à l'aise en fait, pour cultiver cette paix en vous. Et en fait, au quotidien, plus vous cultivez cet état d'être, moins vous rentrez dans ce genre d'état. Ou dès que vous sentez que vous vacillez pour y aller, après libre à chacun, il y en a qui aiment bien y aller aussi, hein. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'y aller et qui aimeraient retrouver un état d'être intérieur où ils se sentent bien, bah, du coup, vous pouvez très bien vous détacher de ce qui appartient aux autres, en fait, et de laisser aux autres bah, leur point de vue, leur vision des choses, sans rentrer en lutte. Et du coup, vous s'extraire en fait, de ça en allant à l'intérieur de vous, tout simplement, et en restant dans votre bulle de bonheur, de tout ce que vous avez mis de beau à l'intérieur. Et de toute façon, personne ne pourra atteindre cet état d'être dès lors que vous en prenez soin et que vous le cultivez régulièrement. C'est comme votre jardin intérieur, en fait. Ne laissez pas le saccager par des personnes qui sont eux-mêmes en quête de ce jardin-là, qui ne savent pas encore comment s'y prendre et du coup qui cherchent à tout prix à venir vous secouer les puces pour X raisons. Moi, je crois qu'ici, vous avez tout intérêt à vous éloigner parfois de certaines situations fâcheuses. Ah, ça dit aussi, j'accepte mes moments de doute. Douter de soi-même est une attitude saine. C'est d'elle que naît la lucidité. Il ne faut pas confondre estime de soi et mégalomanie galopante. Ok. Bon, bah merci. Ok. Et ben voilà pour cette entrée de semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aide. Je demande juste une dernière carte avec les portes de l'intuition. Les mains ouvertes. Un ballon, ça reflète avec l'écran. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, à l'introduction, les messages aussi, c'était de prendre le temps, d'accueillir. Ça ne servait à rien de courir plus vite que la musique, de... Voilà. Il y a vraiment l'idée d'arrêter de s'accrocher à quelque chose, mais plutôt de lâcher. Et en fait, vous libérez les mains. C'est comme si vous libérez un espace qui permet d'accueillir en fait ce qui sera peut-être certainement mieux en fait pour vous. Mais pour ça, il faut lâcher.
On parle tout le temps du lâcher prise. Ouais, c'est quoi le lâcher prise? Bah là, en fait, ça, je trouve que ce message, il aide à comprendre ce qu'est le lâcher prise. Pour moi, c'est ok, on a une intention, hop, on peut le mettre dans ce ballon, entre guillemets, et à un moment donné, on le laisse s'envoler. Et on verra ce qu'il fera. On peut s'en remettre à la providence. Ça ne veut pas dire qu'on lâche et qu'on perd de vue ses objectifs. Ça veut juste dire que on évite de ruminer, de cultiver une énergie de manque, en fait. Voilà ce que ça veut dire pour moi, ce message. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette lecture vous aide. Moi, ça m'a fait super plaisir. Pour ce rendez-vous du lundi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et au plaisir, à tout bientôt. Bye bye.